Et salut à tous les enfants, salut les parents, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je pète la forme et je suis très heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo du culte des enfants. En plus, aujourd'hui c'est un jour très spécial, un jour où nous allons honorer les papas. C'est la fête des pères. Et à ce sujet, moi, j'aurai plusieurs questions. Alors la première, ça va être, qu'est-ce que c'est qu'un papa ? Et la deuxième, que font les papas ? Pour en savoir un petit peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger quelques enfants qui vont nous dire ce que font leurs papas au quotidien. Vous êtes prêts ? On y va ! Mon papa, il fait de très vieilles blagues, il fait de la musique avec moi et c'est pour ça que je l'aime. Mon papa, il respire la bougossitude, il incarne la gentillesse. C'est un modèle pour moi et c'est pour ça que je veux lui ressembler. Mon papa, il est fort. Il danse avec moi. Et je l'aime de tout son cœur. Mon papa, avec lui, on parle en espagnol et il travaille très très dur. Parfois, il nous amène à l'école, il fait à manger bon. Mon papa, il est fort, il est protecteur. Il travaille beaucoup pour me nourrir, pour s'occuper de moi. Et il m'achète des baskets. Mon papa, il achète une voiture pour la conduire. Il est fort et il est beau. Merci les enfants, c'était vraiment très instructif et ça nous a donné un aperçu sur ce qu'est un papa. Maintenant, je vous propose d'aller voir dans la parole de Dieu le portrait de trois pères. Remontons maintenant quelques siècles en arrière et découvrons pour commencer l'histoire de Noé. Deux par deux. La terre était très peuplée, mais les gens étaient tellement méchants que Dieu regretta de les avoir créés. Il décida alors d'envoyer un déluge pour nettoyer la terre de tous ses habitants. Mais il y avait un homme appelé Noé qui n'était pas comme les autres. Noé aimait Dieu et lui obéissait. Alors, Dieu décida de sauver Noé et sa famille du déluge. Dieu avertit Noé que le déluge allait arriver. Il lui dit de construire une arche, un énorme bateau avec un toit, trois étages, une fenêtre et une porte. Noé obéit et construisit l'arche. Dieu dit à Noé de rassembler deux animaux de chaque espèce, un mâle, une femelle. Puis Noé, sa famille et les animaux entrèrent dans l'arche et Dieu ferma la porte. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau venait du ciel et jaillissait aussi des océans. Même les plus hautes montagnes disparurent sous l'eau. Pendant ce temps, Noé, sa famille et tous les animaux étaient à l'abri dans le bateau qui flottait sur les eaux du déluge. Dieu n'avait pas oublié Noé. Dieu fit souffler le vent. Le niveau de l'eau baissa. L'arche s'échoua sur le mont Ararat. Noé lâcha une colombe. Quand elle ne revint plus, il comprit que le niveau de l'eau avait bien baissé. Dès que le sol fut sec, Dieu leur dit de sortir. Il fit apparaître un arc-en-ciel. C'était le signe, la promesse que jamais plus Dieu n'enverrait le déluge sur toute la terre. Voilà. L'histoire de Noé nous montre comment l'obéissance et la foi d'un père, Noé, lui ont permis de sauver sa famille du déluge qui allait détruire tout sur la terre. Partons maintenant dans le Nouveau Testament de la Bible pour faire la connaissance d'un autre papa nommé Jaïrus. Tout le monde attendait Jésus, et quand il vint, la foule était là pour l'accueillir. À ce moment-là, l'homme qui était chef de la synagogue s'approcha et s'agenouilla devant Jésus. Son nom était Jaïrus. Il implora Jésus de venir dans sa maison parce que son enfant de 12 ans était en train de mourir. C'était son unique fille.
Alors que Jésus parlait, quelqu'un de la maison de Jaïrus vint pour lui dire que sa fille était morte et de ne plus déranger Jésus. En entendant ces paroles, Jésus dit à Jaïrus de ne pas s'inquiéter et d'avoir la foi et que sa fille irait bien. Jésus se rendit dans la maison de Jaïrus, mais ne laissa personne entrer, hormis Pierre, Jean, Jacques et les parents de la fille. Tout le monde pleurait à cause de la jeune fille. Mais Jésus leur dit que la fille n'était pas morte, mais qu'elle était seulement endormie. Les gens se moquaient de lui parce qu'ils savaient qu'elle était morte. Mais Jésus prit la main de l'enfant et lui demanda de se lever. Elle revint à la vie et se leva. Alors Jésus demanda aux parents de lui donner à manger. Les parents étaient étonnés, mais Jésus leur demanda de ne rien dire de tout cela. Waouh ! Quel courage et quelle foi a eu ce papa ! Vous avez vu ? Même lorsqu'on lui a dit que c'était trop tard pour sa fille qui était malade, ce papa aimait tellement sa fille et il voulait tellement la voir guérir qu'il a continué à écouter Jésus. Il n'a pas douté, il a continué de croire et il n'a pas abandonné. Et c'est sa foi qui a permis que Jésus la guérisse. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose de voir le portrait d'un père d'une grande célébrité. Alors, à votre avis, de qui allons-nous parler? Allez, réfléchissez bien, je suis sûr que vous le connaissez. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une petite vidéo et vous me direz après si vous aviez pensé à lui. Il y a très longtemps, Dieu envoya l'ange Gabriel chez une jeune fille juive appelée Marie. Il lui dit « Tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. On l'appellera le Fils du Très-Haut. Il règnera pour l'éternité. Comment cela va-t-il arriver ? » demanda la jeune fille surprise. « Je n'ai jamais été avec un homme. » L'ange dit à Marie que l'enfant serait de Dieu. Il n'aurait pas de père humain. Marie était fiancée à Joseph. Joseph était triste lorsqu'il apprit que Marie attendait un bébé. Il pensait qu'il devrait rompre avec elle pour que personne ne dise de mal d'elle. Dans un rêve, l'ange de Dieu dit à Joseph que le bébé était le fils de Dieu. Joseph devait aider Marie à s'occuper de Jésus. Joseph faisait confiance à Dieu et il lui obéissait. Il obéissait également aux lois de son pays. En raison d'une nouvelle loi, Joseph et Marie devaient retourner dans leur ville natale, Bethléem, pour payer les taxes. Le temps vint où Marie était prête à accoucher. Mais Joseph ne trouvait aucune chambre. Tous les hôtels étaient pleins. Joseph trouva alors une étable. C'est là que Jésus est né. Sa mère le plaça dans une mangeoire, un endroit où, d'ordinaire, on met la nourriture pour les animaux. Un peu plus tard, une étoile spéciale guida des sages de l'Est à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous sommes venus l'adorer. » Le roi Hérode entendit parler ses sages. Troublé, il leur demanda de lui dire lorsqu'ils auraient trouvé Jésus. « Je veux aller l'adorer moi aussi, » dit-il. Mais Hérode mentait. Il voulait tuer Jésus. Or, Hérode ne pouvait pas faire de mal au Fils de Dieu. Averti dans un rêve, Joseph emmena Marie et Jésus à l'abri en Égypte. Après la mort d'Hérode, Joseph quitta l'Égypte avec Marie et Jésus. Ils vécurent dans la petite ville de Nazareth, près de la mer de Galilée. Eh oui, vous l'aviez deviné, on a parlé de Joseph. Cette histoire est quand même extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Jésus n'était pas réellement le fils de Joseph, puisqu'il est le fils de Dieu. Pourtant, Joseph, obéissant à Dieu, va rester avec Marie pour s'occuper de Jésus. Il devient donc son père d'adoption. Tout comme un père le ferait, il va prendre soin de Jésus et le protéger.
Ces trois histoires nous montrent que l'obéissance et la foi en Dieu ont permis à ses pères de sauver, protéger et prendre soin de leurs enfants. Dieu a placé les pères auprès des enfants. Les pères ont donc des devoirs envers leurs enfants. Et les enfants en ont aussi, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Écoutons ensemble. Éphésiens, chapitre 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, versets 2 et 3, nous montre qu'il est donc très important d'honorer, c'est-à-dire de respecter son papa, lui montrer qu'on l'estime et lui montrer surtout qu'on l'aime. Toujours près de moi, veille sur mes pas pour me protéger du danger. Je m'entoure de tes bras et je me sens en sécurité. Je t'aime, papa. Grand comme ça. Mon papa est vraiment extraordinaire. Il est mon repère sur cette terre. Fort et solide comme un roc, il me protège des chocs. Comme un super-héros, il me porte sur son dos. Je t'aime, papa. Fort, comme ça. Quand l'orage gronde autour de moi, je me blottis au creux de tes bras. Quand je perds mon chemin, il me suffit de prendre ta main. Merci d'être toujours là pour veiller sur moi. Je t'aime, papa. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme des vignes fécondes dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Psaume 128. Comme vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la fête des pères. Et pour cela, on va faire un beau cadeau pour son papa. Et on a besoin d'un rouleau de papier toilette, d'un crayon à papier, une paire de ciseaux, des feutres. Si vous avez de la gouache aussi, c'est bon. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, on prend le rouleau de papier, on le plie en deux. Alors, on va faire un premier trait, un nappe de cercle, comme ça. Un deuxième trait. Encore un petit trait.
Et maintenant, on va découper. On découpe. Maintenant, on déplie. Merci. On fait comme ça. Ça s'appelle un porte-téléphone. Alors, vous pouvez colorier dessus, faire de la peinture, coller des gommettes. Voilà. Et ça permet de poser le téléphone dessus. Voilà. Et je vais vous montrer un modèle que j'avais déjà fait, que j'ai fait du coloriage dessus. Donc ça donne ça. Donc j'espère que vous avez réussi et que ça va plaire à votre papa. Donc je vous fais de gros bisous, à bientôt. Alors, attention tout le monde, maintenant nous avons une question d'un enfant et c'est Sandrine qui va y répondre. On l'écoute. Pourquoi on dit que Dieu est notre père? Merci Joey, très bonne question. En effet, nous pouvons dire que Dieu est notre père. Père pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il nous a créés comme il est écrit dans Ésaïe au chapitre 64 et au verset 7 qui dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Il nous aime comme nous pouvons le lire dans Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et enfin, il prend soin de nous, comme indiqué dans 1 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 6, qui dit « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Voilà. Je t'ai donné trois raisons parmi tant d'autres qui confirment que Dieu est bien notre Père. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous devons honorer notre Père. Que ce soit notre Papa qui est sur terre, mais aussi notre Père qui est dans le ciel. Et pas seulement le jour de la fête des Pères, même si c'est une bonne occasion pour le faire, mais aussi le reste de l'année. Avec Dieu, c'est pareil. Nous ne devons pas seulement l'honorer le dimanche, mais chaque jour. Je te propose comme défi cette semaine de trouver trois façons d'honorer ton papa. Par exemple, en l'aidant à laver la voiture, ou bien en arrosant le potager, ou bien même en l'aidant à bricoler. Et je te demande de prendre également du temps pour remercier Dieu notre Père pour trois choses qu'il fait pour toi. Par exemple, merci Dieu parce que tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous aimes, même si nous boudons. Voilà. Je compte sur toi. À toi de jouer. Et à bientôt.